Salut à tous, vous pouvez pas venir en Bretagne sans déguster le fameux beurre Bordier et pourquoi pas même le fabriquer ici à la maison Bordier en compagnie aujourd'hui de Marion. Salut Marion. Bonjour Géry. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Bah écoute, c'est toi qui fabriques ça du coup? Oui, nous fabriquons le beurre Bordier. Génial, à la framboise moi j'ai oui, pris. Oui, à la framboise. Génial, on pourra le déguster. Si tu travailles bien Géry. Première étape. Le lavage de main. Ah oui, et alors il fait combien de degrés là? Là, il fait 14 degrés. Ah ouais, donc c'est bien pour travailler. Oui, agréable. Et on va faire quoi, du coup? Du coup, on va taper des 125. Là, du coup, on a le poussoir. Donc, c'est comme ça qu'on va sortir les plaquettes. Tu vas appuyer tout doucement sur ta pédale avec ta jambe. Et du coup, ça va sortir le beurre. J'ai peur. Doucement, ouais. Mais ça du coup, sort. Ça... Ah oui. Oh la vache. OK. Là, et là, du coup, avec ta grille, tu vas venir couper. Ah, pour faire les plaquettes. Voilà, du coup, ça préforme. On peut là, les du coup, à la tu main. Pèses ouais. Pour voir si ta plaquette, elle fait bien 125. C'est bon. Et on met pas de gants. Non, on n'est pas obligé de mettre du gant parce que vaut mieux des mains propres que des gants sales. Et c'est quoi les qualités qu'il me faut pour bosser ici, tu penses? Il faut être rigoureux, ouais. Dynamique et être souriant, c'est très simple. C'est mieux. Faire le beurre avec le sourire. Voilà. Et là, je suis pas mal, non? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors là? Alors du coup, on va prendre la plaquette devant soi, on va taper un peu les côtés. D'accord. Parce que là, du coup, elle est déjà formée. On la tourne, on la rappuie un peu et on recommence un tout petit peu pour qu'elle ait une belle forme rectangle. D'accord. Et ta plaquette est prête. Comme ça? Oui, voilà. Et toi, tu as appris ça où? J'ai appris ça ici, on est formé sur place. Et alors toi, comment s'organise ta journée de travail ici? On est en deux équipes, donc du coup, il y en a une qui fait 5h30, 14h30. D'accord. L'autre commence à 6h après et finit à 15h30. Et la deuxième équipe, il commence à 9h ou 9h30 pour finir à 18h ou 19h. L'avantage, c'est qu'on ne travaille pas ni le week-end, ni les nuits. Changement de format? Oui, nous passons au petit grammage. Ok. Donc on prend le beurre. Ouais. Nous allons commencer par le cône, le plus facile. Okay. Donc du coup, nous allons pencher les palettes, bien les incliner et appuyer dessus. Moi, je fais comme toi. Hein. Ouais. Et tu changes comme ça de format toute la journée? Toute la journée, on fait jamais les mêmes. Ah oui, on fait une petite pyramide. C'est ça. Comme tout à l'heure avec la plaquette, on va venir lui faire un petit cylindre. Oh là 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 là. C'est laborieux. Du coup, même chose, on lui appuie sur la tête. Et hop, et hop tu fais un rond. Et ça, c'est quoi là? Là, nous avons des tampons. Ah bon? Donc, chaque client peut choisir un tampon s'il veut. Et c'est qui vos clients alors? Georges V à Paris. Ah bon? Nous avons Meurice. Ok. C'est des grands clients. Donc, des grands restaurants. Ouais, gastronomiques. Le beurre le plus prestigieux, c'est un beurre au safran que nous faisions pour l'Orient Express. Donc, ça, c'est le B de Bordier. B de Bordier. Et du coup, on va venir appuyer légèrement sur la pointe. Ouais. Et t'as ton B de Bordier. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est le tampon pour le Georges V. Tu vas prendre un beurre. Ouais. Que tu vas mettre dans ton beurrier. Ok. Et j'appuie. Et tu appuies. Waouh. Et là, du coup, t'as ton Georges V. Ça part sur la table du petit-déj de l'hôtel, ça. Et oui, c'est ça. Et toi, comment tu te vois demain, Marion, ici, dans cette entreprise? C'est quoi l'évolution possible? On aura une future machine, parce qu'on a déjà une machine. Ouais. Et je suis pilote dessus. Et super. Du coup, avoir la deuxième, ce serait bien encore. Là, nous allons emballer le beurre. On va rabattre, du coup. On va tourner tout en serrant la plaquette pour que, du coup, ce soit bien maintenu dans le papier. Hop, du coup on la soulève et on remet en dessous. Hop, nickel. Après l'emballage, nous allons faire l'étiquetage des plaquettes. On prend l'étiquette et du coup on vient la centrer au milieu. Ok. Pour pas que ça dépasse de chaque côté. Bon Marion, je crois que j'ai bien bossé là. J'ai droit à ma petite tartine, non? Oui, t'as très bien bossé, on va pouvoir aller la prendre. 2000, je suis bretonne. Grand 8, ici on travaille qu'en journée. Moi, je travaille au beurre, mais tu peux venir aussi au fromage si tu veux. Mmh. Marion, ton job, c'est du bonheur en barre. Merci beaucoup pour la découverte aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir aidé. Ouais, donc ça, c'est framboise, c'est ça? Oui, beurre à la framboise. Wow, et beurre de micelle. Bon. Oh, et moi, je savais pas qu'on tapait le beurre, donc maintenant, je sais. Et oui, c'est pas évident, mais... C'est accessible à tous, quand même. Tout le monde peut le faire. Ouais. En tout cas, si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, taper le beurre dans l'équipe de Marion, n'hésitez pas à postuler, il recrute. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, Marion, likez la vidéo et abonnez-vous.